Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 10 du Let's Play de Citadel en compagnie de Falcon et Kaya. Bonjour. J'aime bien que vous dites ça en cœur, c'est tellement mignon. Et aujourd'hui nous sommes niveau 45, même Kaya est passé niveau 47. Vous avez vu, ça va assez vite, hein, parce que je vous rappelle, le serveur est en x8, hein, pour éviter que ça prenne trop de temps à les fermer. Je vous précise aussi, il y a le serveur RP et le serveur PVP qui sont disponibles, hein, les deux serveurs publics, hein, pour tout le monde, qui sont eux en x1 par contre, parce que sinon ça va aller trop vite. Peut-être que ça changera plus tard, mais on mettra sur le site, on mettra la mise à jour si jamais. Sur le site actuellement, c'est écrit x1, voilà. Si vous avez des soucis pour vous connecter, vous avez le TS, le forum et le site. Normalement, vous avez différents liens, vous avez les IP, les ports, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, normalement, il n'y a pas de raison, vous n'arrivez pas à vous connecter. Nous, du coup, on va avancer sur le Let's Play. Donc, pour ce 10e épisode, on va passer justement à l'upgrade du niveau 45, à savoir la nouvelle baguette. Ouais. Pour moi, j'ai débloqué tout. Je vous montre. C'est total, en fait. Ouais, c'est pas tout encore, pas tout. J'ai quasiment tout débloqué, pourquoi? Parce que je vous rappelle que le multiplicateur aussi de points est par 2. C'est pour ça aussi qu'on arrive à débloquer plus de choses. Normalement, sur une partie en x1, vous n'avez pas ça. Voilà. Donc du coup, j'ai tout débloqué. Les baguettes, alors la baguette est où la baguette? La baguette elle est là. Et c'est la Balarox en wand que j'ai bien faire. Oui, vous avez bien craft Les vêtements sorcières. Ouais, voilà, les vêtements sorcières niveau 45. Normalement, on peut tous l'équiper. C'est les derniers, normalement. C'est ce qu'il faut. Dernier, ouais, niveau 45. C'est, comment ça s'appelle? Dans l'arbre des niveaux, en fait, c'est l'armure, en fait, le côté gauche, on va dire. Je vais regarder justement dans l'arbre de l'inventaire. Dans l'arbre de compétences. Alors, c'est pas Iron, les hein, c'est... Ah, les gauches. Hein. D'accord, c'est à gauche. Et c'est en Hood. D'accord, le God King Robes. Ah, d'accord, effectivement, là, je vois que le niveau est très très élevé. Mais sachant qu'il y a pire. Ouais, hein. On a le Savage aussi. Le Savage. Alors, le Savage, je pense, il est Eagle. Mais ça, je pense que ça, c'est avec les drops qu'on a eu avec les Big Boss. Là, pourquoi tu m'as poussé ouais, là bah, ouais, c'est bon, en fait. Mais arrête de me pousser. Pas vrai, ça. Alors, je disais, moi, ce que je veux, c'est faire la. Alors, faites événement, Falcon. Hein. En fait, je voulais vous montrer du coup, enfin vous expliquer la technique de farm. Et pour cela, en fait, de toute façon, je suis obligé d'aller en fait à un point qui me permet d'avoir de la métisse. Toi, je peux le craft, mais ça prend du temps. Soit on va chercher carrément de la métisse en minerai pur. Autant je cherche la métisse en minerai pur. Hein. Bah, minerai pur, c'est plus efficace et ça me permet de perdre moins de temps et de minerai aussi. Arrête de me pousser, bordel. C'est pas vrai ça. Il faut des os aussi. Deux os et il faut une dark essence, pardon. Et là, normalement, je crois que j'ai ce qu'il faut. Il doit manquer des runes de cristal. Arrête de me pousser! ça va gifler ça. Fit damn doué. Ah, le nickel pour assumer. en fait, il me manque des choses. Il faut du Black Nut Iron, Falcon. Et ça, je pense que ça se craft dans la forge. J'ai checké le chat pour voir. Je pense que c'est ça, hein. C'est pas du consumable. La canette d'iron, il faut en fait de l'iron et ça s'appelle l'essence Dark Essence. Dark Essence on en a et l'iron aussi. Alors Dark Essence ça ressemble à quoi? Dark Essence ça ressemble à un poumon ou un cœur. Et en fait c'est un minerai en fait, ce que je vois. Ah, et on en a dans le coffre, c'est le premier. La rangée c'est le troisième du premier. Du premier, mais c'est magnifique! En partant du haut, du troisième, oui. La troisième ligne, ok? C'est ça? Ouais, c'est le premier de la troisième ligne, voilà. Le premier? Bah, c'est Iron Ore. Dans le coffre. Moi, pas contre. Ah, c'est pas le même coffre. Ah, on n'est pas sur le même coffre, mon dieu! C'est bon, bah, effectivement. Alors, attends, Iron, mais j'ai déjà en fait. Moi, il me faut du black. Ah, mais c'est oui, bon, il te faut du dark aussi. Essence et de l'iron, il faut les deux. Non, mais en fait, il y en a aussi, donc du coup, c'est bon. Iron. Ouais, en fait, il y a directement en fait du Black Nut Iron, donc c'est parfait. Et il faut des runes en plus que j'ai pas assez. Il m'en fallait 15. Et là, normalement, j'ai ce qu'il faut. Ouais, j'en ai mis 16, mais c'est pas grave. On va aller voir si ça marche. Nouvelle baguette. Je sens que ça va faire très très mal. Tu as trouvé l'endroit ou pas de la base? Ah oui, c'est vrai. Ça craft. C'est parti chercher du coup la nouvelle base en fait qu'on va positionner un peu plus vers le nord. Oui, et j'ai trouvé. Oh mon dieu, on va checker tout ça, d'accord. J'ai gardé ma baguette cyclone pour aller fermer. D'ailleurs, j'aurais dû en crafter deux en fait. C'est con parce que, au final, vu que tu peux débloquer la baguette niveau super élevé, là, niveau 45, tu peux en faire deux. Comment, Lucien? Non, la mana de Kaya était très très bas et ça montait pas.
Ah, c'est sans doute, il allait crever en fait. Ah. Non, t'en fais pas. Il faut une minute 20 et alors les sorts, hein, je vous précise quand même pour ceux qui ne savent pas. J'avais déjà parlé au dernier épisode, mais vous voyez bien que dans les spells, en fait, on a déjà tout. Et là, en fait, le Blood Boil, là, je vais le mettre, mais clairement, c'est pas un truc d'attaque, en fait, c'est un truc qui infecte, c'est ça, hein. Ça balance un projectile rapide qui infecte, ouais, l'adversaire sur l'impact. Une fois qu'il est infecté, l'hôte perd du sang. Dealing damage over time. Ouais, donc, en gros, alors c'est pas perdre du sang, mais en gros, il est infecté et il prend des dégâts. En gros, c'est ça qui est écrit. Ouais. Donc, on va essayer ça. Voilà. Les niveaux 60, j'aime bien voir. Oula, tornade là. Oula là, 250-400% damage. Oula là, Kiss of Death là, qui me paraît pas mal aussi là. Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Pas tant que ça en fait. Oh, il est beaucoup plus d'attaque, j'ai pas fait gaffe. J'ai essayé juste ça. Blood Boil. Alors, il me reste. Il n'y a plus que le temps. Ah, c'est 20 secondes. Excusez-moi, je vois juste derrière la petite flamme là. 20 secondes. Et dans 20 secondes, on aura ces nouvelles baguettes. Et je pense que là, d'ailleurs, on va passer une nouvelle structure. Hein. Je sais pas si on vous l'a dit, mais si on vous l'a précisé, ce qu'il disait. C'est pour ça qu'il y a chercher une nouvelle base en fait. Oui. Pour essayer les nouveaux matériaux. Et pour ça, on a besoin, tu m'as dit aussi, Falcon, il fallait qu'on aille fermer quoi ? Pour avoir ce qu'on veut. Du améthyste. De l'améthyste. Qui est une fausse pierre précieuse, hein, si je dis pas de bêtises. Qui est une fausse en fait, un faux diamant. Si. Utilisé couramment, moi c'est pas grave. Peut-être que je me plante, je suis pas un pro des bijoux. Alors, on va l'essayer ici. Voilà, je vais équiper l'autre par-dessus normalement. Ça va mettre les deux, ça va pas mis les deux, donc je peux le déplacer de là. D'habitude, c'est ce que vous offrez à votre femme. Si vous voulez pas dépenser trop. Voilà. C'est salaud. Je peux vous dire ça, mais. Ah, c'est salaud ça. Alors, donc on va essayer. Alors, le as, tout ça, ça m'intéresse pas. Par contre, c'était moi. Oula. Alors, pas que je me plante. 425. 400. C'est l'ice qu'il faut. Et j'avais dit que j'allais essayer justement l'autre là, le. Voilà, le blood. Voilà. Je vais essayer ça. Mais t'arrêtes de foutre du bordel là, c'est des. Eh hey, oh, c'est fini là. Pas vrai ça. Et sur celui-là, ce sera ma baguette à farmer. Donc là, je vais mettre dessus. Vu qu'on va farmer. Arrête de me pousser. Je vais prendre la télékinésie, bien évidemment. Alors, attends, par contre, comment on fait pour changer? D'accord, ok. Donc, en fait, ça, c'est des slots vides. Hein. Mais je vais les remplacer tout de suite sur ma petite baguette qui est en fait la. Mais oh! Le bordel! Ah ouais, ça! Et il fallait extract aussi. Alors, stop! Je peux poser une question ou pas? Oui. Ouais, vas-y. Non, mais tu peux arrêter le bordel là parce qu'on s'entend plus là. Et en fait, je peux pas, je dois attendre que ça part. Donc je disais, si je prends une baguette plus élevée, est-ce qu'elle extrait mieux ou pas aussi? Je te réponds en regardant les stats. Note et 9 mana? Comment ça, note et 9 mana? Comment ça, note et 9 mana? Il n'y a pas de mana. Bah, il met note et 9 mana constamment. Alors là, il y a un truc que je comprends pas là. Ça bouffe tant que ça? Alors là, on a un problème. Alors, extra, ça marche bien. Par contre, là. Ah oui, mais attends, d'accord, ok, c'est pour déplacer les objets. Et là, j'ai pas assez de mana parce que je suppose que je vise un truc trop lourd. Non, du coup, c'est ça. Ouais, c'est tu vises un peu le château, non? D'accord, c'est ça l'infection en fait. On va essayer l'infection. Et ça, c'est pour shooter. Un truc qui fait très mal. Même si j'aime pas trop en fait. Attends, j'ai envie d'essayer un ennemi. Alors, les ennemis sont encore buggés, hein, je vous le dis déjà, on a fait le test tout à l'heure, hein, bien sûr. Donc, les ennemis ne shootent pas comme au dernier épisode, on ne sait pas pourquoi. Je vais aller voir juste un ennemi à la con là, est-ce qu'il y en a un, c'est qui ça? Ah bah c'est bon, c'est une pièce bien ça. Bah ici mes coucou, alors toi déjà tu vas te prendre un petit tour de comme ça dans la tronche. Ah oui d'accord, il perd beaucoup de dégâts, oh la vache. Ah oui quand même. Et après, un comme ça dans ta gueule, oh putain 300, oh là là. Ah non mais là ça fait très mal là. Ah ceci dit, j'ai augmenté aussi mes dégâts de damage, c'est pour ça que... Il tombe assez vite avec un peu des mouches. Hop là, ça c'est fait, ça c'est moi qui attaque et ça c'est Gabi qui attaque. Ouais, non, mais bon, attends, j'ai essayé doucement. Si je me mets à fond, là, tu vas pleurer. Ah, c'est ça. Alors, il est un petit peu lent. Voilà, c'est bon, il est mort. Ah ah, c'est moi qui ai fait le dégât en fait. Ouais, ça va, hein. Bon, bref, on ramasse même plus ce qu'ils ont sur eux. Parce que je vous assure qu'en allant farmer, on a vu tellement d'éléments 59 qu'on s'est dit au bout d'un moment stop. Et donc là, maintenant, on va les farmer. Donc, l'améthyste, Falcon, c'est ça, hein. C'est au nord. C'est... Ah, en plus, ça veut pas une 100 mètres. Ah bah, je te suis, vas-y, je te suis. Superman! C'est pire, c'est ça. Après la fumée, ça serait nickel.
Ouais, c'est vrai que la fumée est... Bah, je pense que la fumée est là, en fait, pour te gêner, parce que sinon, ce serait trop cheaté. Bah, moi, c'est ce que je pense, hein. Merde, enfin, j'ai mis... je sais pas pourquoi j'ai mis en fait, moi, je crois. Ouais, t'étais pas en plein nord, là, t'étais en ouest, à plutôt, hein. What the fuck, attends, il est où, qu'est-ce quoi, fait, là, c'est par là, là, le volcan est au nord-est, donc en fait, c'est là, là, en haut de la montagne. Attends, mais mon point, il s'affiche pas sur mon truc, du coup, je vais... Il est perdu. Normalement, c'est censé être au nord. Bah, si c'est au nord, là, moi, je vais au nord, actuellement. Là, je te rejoins, c'est quoi? Merde, merde, merde. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une connerie? T'as oublié le mana? Oh putain, rien à vie. Oh là là. Effectivement, t'as eu de la chance. T'es tombé comme un con et j'étais un très. Ah, y'a un géant là, des montagnes là, des... je sais pas quoi là. Là. En plus, attends, c'est... tu peux les enchaîner en plus les coups là? Ouais, tu peux switch entre les armes. Note et 9 mana, il me dit maintenant. Ah, parce que ça bouffe énormément là, cette saloperie là. D'infection là. Par contre, quand il est infecté, en fait, ça peut rien le taper. Et je vais faire un géant tout seul, hein. J'ai fait me faire avoir sur la mana. À ton niveau, tu peux le faire tout seul. J'ai fait me faire avoir avec la mana. Mais à la TD, mais trop tard. Bah, effectivement, c'est un peu... Bon, j'ai vu quand même looter ce qu'il a sur lui, mais enfin bon. Bah viens, voilà, c'est là. Regarde, tu vois le coloclatère. Pourquoi il bleut de la lave, là? Qu'est-ce que t'as fait, là? C'est moi, en fait, qui a fait... J'ai lancé une attaque avant, quand même. Bah, t'es où, du coup? Parce que je vois plus, là. Bah, normalement, t'as un gros cratère qui est full nord pour. Oh, un dragon! Attends. Ah, c'est bon, je te vois loin. Attends, un dragon là, un gros dragon. On le voit, putain. Tu veux le timing? Non. On est là pour farmer. T'as oublié de remettre ta mana, tu vas mourir! C'est bon? T'étais mort là? J'aime bien avoir une putain de latence. C'était. Enfin, il y a plus sous la touche. Bah, du coup, avec la latence, la béquette, c'est. Enfin, le truc, c'est pas tout de suite et ça pas vraiment un deuxième première chose. J'étais sauvé, mais limite. C'est ça en fait, faut vraiment éviter de te. Y'a des loups qui sont invincibles. Ah non, c'est parce que je suis pas seul. D'accord, je touchote les loups aussi. Bref, alors attendez, parce que là je voyais, il y a deux secondes, je vois plus maintenant. Ça va, c'est là. Du coup, est-ce que t'as une hache? Est-ce que t'as une hache sur toi? Non. Ah bah t'as de la chance, j'en ai pas sur moi. Non, mais on a pas besoin. Non, c'était pour te montrer la technique de farm Overcheat. Ah. Donc t'es où? T'es au-dessus, mais faut descendre. Bah je sais pas, t'es où toi? Parce que je te vois même pas depuis tout à l'heure. Dans le cratère. Ah c'est bon, je te vois, c'est bon. Je te vois, je vois ton nom. Attends, j'ai tué ma hache. Ah oui, d'accord. Ah oh, c'est beau là. Attends, c'est magnifique là ici. Attends. Ouais. Ah ouais. Bah petit screen et c'est parti. Non, bah aussi petit screen, pourquoi pas, mais... C'est vrai que c'est beau. Attends. C'est beau, je savais pas que ça existait, ça, tu vois. Hop, oh, regarde, tiens, je t'ai droppé, en fait, ma hache, enfin, ouais, ma hache. Voilà. Et du coup, la hache, elle permet de... Je vais te montrer la technique. Attends, y a un mec qui arrive, là. Il prend des dégâts, c'est... En plus, il prend des dégâts, mais masse, quoi. Ah, c'est quoi, je me l'ai fait au point. Regarde au point, je fais 100 dégâts au point. Il bouffe énormément de mana, par contre. Ouais, j'ai fini. Bon alors, donc tu me disais, la hache. Prends-la. Ouais, vas-y. C'est quoi la blade de tous là? En fait, c'est un peu le level au-dessus de la hache. Ouais, mais attends, ça va me déséquiper mes armes et tout là, ça va faire chier ça. Bah en fait, non, je sais rien. Non, tu vas farmer avec, tu sais quoi? Bah en fait, je voulais te montrer la rapidité en fait du loot et le mieux ça serait que ça soit qu'il le voit en fait. Bah, il clique en fait à la place d'une arme. Oula, putain, l'XP laquelle est. Voilà. Non mais attends, j'ai pas besoin de faire le code. Ah oui, c'est vrai, c'est x8 en fait, j'ai tout le temps de coup. Bah c'est x8 et en plus, je l'ai mis sur une baguette surpuissante, donc forcément. 8, 8, 8, je sais pas ce que 8. La baguette est aussi efficace que ça. Bah je sais pas en fait, alors moi je vais te dire 8, 8, 8. On a discret, 8. Musique, là. Bah je sais pas, non, c'est trop lent. 8. En fait, moi mon truc en fait, c'est ça accélère en fait la rapidité en fait du loot en fait. Du coup, si tu récupères énormément de bois, tu l'actives, tu rases l'âme en 30 secondes. Attends, j'en reste plus là, moi j'en reste plus. Hop là. Ouais, c'est bon, j'étais pas assez. 8. 8. Ouais, bah c'est pareil. C'est l'attaque parce que t'as bugué. Ouais, ça va, voilà, aussi. Voilà, moi, j'ai... C'est bon, c'est parti. Ah, je récupère méga rapidement. Je suis trop lourd. Okay, je suis en méga rapidement. Je peux plus emporter Falcon. J'en ai 144 sur moi, qu'est-ce que je fais là? Donne, c'est en attaque. Moi je récupère méga rapidement. Ramasse bien le sac hein. Déjà avec 144. Je vais augmenter en fait mon transport d'items. Il en faut combien? Tu peux pas tout prendre?
Non, non, je peux pas. J'ai le dernier 77 à terre, donc vas-y. Bah attends, je termine les cristaux avant. Bah prends celui-là en fait pour utiliser ici en fait à terre. Non, mais 77, je vais pouvoir les ramasser, je pense. Là, je termine. Voilà. Et donc, tu m'as dit 77. On va voir. Ça a marché, yes. Bah, alors, de récupérer du coup ces dents. J'en ai 133, bah non, mais en gros, plus qu'un, c'est fini. Hein, pour moi. Je fais une fois, tu vois. Et pouf, voilà, 8, et après, j'ai trop lourd. Ah, je suis trop lourd. Donc, si tu veux terminer, coup, ça, bah on rentre. Retour à la base. Et là, on va crafter l'événement de sorcière, bah, hein, c'est ça. Du coup, est-ce que le mieux, ça serait pas d'aller directement à notre nouvelle base qui est en construction actuellement? Non, mais on s'en fout. Kaya, lui, il a un poids énorme là, il traîne par là, ça après. Nous, on va poser ça là-bas, on crave l'événement, puis après, on va aller bah, voir justement, Kaya en fait, c'était plus pour commencer un peu à s'installer, à faire le stuff là-bas en fait. Ouais, mais attends, il faut déjà faire et des coffres. Et en même temps, découvrir la base. Non, mais il faut des coffres, on a un premier temps. Ouais, déjà, je suis en train de faire l'entourage de la base. Ouais, je te laisse architecte. Du coup, let's go, on rentre à la base, 600 mètres. J'ai affecté, je. Et on va faire la petite armure qui n'est pas dégueulasse. Alors, attends, par contre, vraiment, t'es revenu où? Parce que je sais plus où c'est. Bah, regarde sur ta carte, normalement, t'as une petite icône maison. Moi, je me dirige là-bas en fait. Ouais, alors la map. Alors, du coup, on n'a pas beaucoup exploré d'ailleurs, faudrait qu'on aille beaucoup au nord pour aller voir. Kaya y est, on va aller faire un tour évidemment. Mais nous, on n'a pas beaucoup bougé. Alors, c'est là. Faut que j'aille ici. Comment on fait déjà? Voilà, clic droite. Et là, normalement, je le vois. C'est bon. Et ben c'est parti. Ah, c'est vrai qu'en Superman c'est mieux qu'avec le balai, hein. Je sais pas pourquoi ils ont inventé un balai si on peut aller en Superman. Bah c'est en plus tu consommes en fait. Et tu consommes moins de mana. Bah c'est pour ça. Pour ça où c'est un peu foireux quoi. Et c'est bien pour construire. Comment ça, pourquoi? Ouais là, c'est Ah oui parce que tu peux voler tranquillement pour pouvoir. Ouais d'accord, ok. Ouais. Je comprends. C'est un truc normalement fait pour les architectes, après je sais pas où on l'utilise comme ça mais. Regardez-moi cette base. Hein. Très belle base au fait hein, Kaya. Dans notre base là, je la vois d'ici. Déjà? Non. Okay. Non. J'ai fait chuter, je me suis goûté à touche. Je disais non, ton ancienne base en pierre. Ah oui. Merci. Hop. Bon, j'aurais dû me réagir en fait dans l'enfant. Ouais, j'ai gaspillé une potion, moi, c'est pas J'adore construire, tu vois. Bah ouais, je me rends compte de ça. T'as. Qu'est-ce que t'as looté là? Un iron ingot? Ah ouais, je suis tellement full que j'ai oublié. Je suis trop lourd, ouais, moi aussi. J'ai vidé dans le premier coffre là. On a la même idée, hein! Hop! Alors, les coffres ils dépassent la taille en fait, c'est parce que le multiplicateur est aussi x8. Du coup, on peut mettre en théorie 6 tonnes. On l'a pas testé, mais. Il level 48. Non, moi je suis toujours 45 et on a pas beaucoup upgradé en fait là. Send, là. Et là. Voilà. Alors, stuff. Tu peux nous montrer ça? Ou il en faut un pour Kaya aussi qu'on puisse lui amener. Ah oui. Donc je vous rappelle hein, le stuff qui est donc ici dans. Ah oh, c'est pas utility, je me rappelle jamais. C'est là voilà. Le King, le God King Robes. Ouais. Et on a aussi après on a des trucs à faire hein. On a le, ouais, le Eagle Skull. Le Legion Leg Guard. Non il est pas là très méchant tu vois. Le pire c'est le Salve. Attends. Ce qui est dommage sur le jeu, c'est qu'on a en fait un stuff qui s'appelle, enfin pas un stuff, une arme de défense pour les épaves en fait, un peu comme des tourelles, qui s'appelle défense taureau, entre comme ça. Et je crois qu'on peut le débloquer au niveau 25 ou 30. Oui, mais ce qu'on a fait déjà, c'est ce qu'il y a sur toi. C'est voilà, Arcane Obélix. Ouais, mais c'est ce qu'il y a ici sur le... Je te cache pas que c'est tellement pourri. Oui, je sais bien, c'est pour ça que... Ça fait aucun dégât. C'est pour ça que Kaya en a posé que deux. Parce que c'était minable. Ça fait dégâts, ça fait rien du tout. J'ai voulu troll en fait sur le RP, du coup, une équipe en fait, que je suis assez proche. J'ai du coup, il avait un dragon, le dragon rouge, là, le nouveau dragon qui est extrêmement mal. Ouais, le gros qu'on a fait tomber. Dernier, hein. Du coup, je l'ai fait tomber dans leur base. Et le truc, en fait, je pensais que le truc aurait défoncé en fait, mais ça fait rien du tout. Du coup, t'as niqué leur base. Bah, non, j'ai pas niqué leur base, j'ai niqué l'entrée de leur base. En gros, le contour et la porte, la plus rien. Ah, bien tout ça, c'est pas bien. Bah, en gros, que j'ai pu la buter parce qu'en fait, j'avais même plus de mana sur moi. C'est beaucoup. Ouais, y'a pas de red-off en plus, hein. Ouais, faut qu'ils mettent le red-off sur le Citadel aussi. Comme sur en fait. Dark and Light. Mais surtout quand la vidéo sortira, ce sera le cas. Bref, est-ce que l'événement avance, Falcon? Ça craft. Normalement, tu pourras équiper ta première. Oh, c'est une minute. Ouais, donc quand même c'est super long hein. On a rien d'autre à farmer en attendant en fait. Farmer de la pile, faites beaucoup de métal, de pas métal mais de l'or s'il vous plaît. De l'or, mais attends, on le chope où l'or? Faut le choper sur les gros non? Toi tu peux choper sur des montagnes.
J'allais voir ça. Bah en fait le mieux en fait je crois qu'il faut choper c'est peut-être aller sur le volcan. Et ben, là peut-être il y aura le plus. J'y vais sur le volcan, j'y vais tout seul. Tel un warrior. Comme un grand. Je pense que ça aura pas de difficulté en fait. Non mais de toute façon ils attaquent pas de toute façon. Je vais te dire hein. Et ça c'est pas de notre faute, hein. c'est pas nous qui avons mis le paramètre, on a déjà relumé plusieurs fois le serveur, à chaque fois il nous remet les ennemis qui attaquent pas. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, je n'ai pas la moindre idée, je sais pas si ça change, je sais pas. Encore un bug du jeu, mais bon tant pis, vous aurez vu de l'action aux autres épisodes, hein, mais oula, il y a un dragon rouge là. Attends, niveau 45, il est niveau combien, regarde, niveau combien il est. Ben j'arrive pas à me rapprocher parce qu'ils veulent plus vite que moi. Ouais, ils veulent trop vite, j'arrive pas à le rattraper. Alors, tu m'as dit de l'or, donc c'est, je suppose que c'est des cailloux jaunes. Oui. Ouais. Je sais pas ce que c'est une importance en fait. Est-ce que vous voulez que je ramasse de l'obsidienne aussi avec? Ça va surtout en fait peser en fait. Du coup, ce que je vais éviter en fait, pour pouvoir transporter plus de choses, je vais éviter en fait. Ok. Nous, le dragon rouge, je voudrais essayer de l'étame. Je regarde si je vois quelque chose d'intéressant ou pas. J'ai foncé dans le volcan, c'est pas. Enfin, s'il y a pas quelque chose dans le volcan, il y a l'air de rien avoir. Le dragon qui est devant moi, il est 41. Est-ce que c'est le gros dragon ou le petit? C'est le dragon, ça. Bon, j'étais voir au fond du volcan, hein, j'ai rien trouvé de formidable. Non, non. Par contre, je vois toujours pas de pierre jaune hein, sur le volcan, Falcon. Enfin, essaie de t'attaquer une pierre. Attaque une pierre lambda et tu verras ce que tu récupères ou pas. J'ai trouvé un dragon, là. Ah ouais, j'arrive pas à voir Je peux tam le nouveau dragon, il est niveau 55 et moi je suis niveau 45. Ouais, mais le problème c'est que là c'est cheaté en l'occurrence. Il est pas là content hein, par contre. Bah, normalement c'est 10 niveaux en fait de différence. 10 niveaux pour Tam Nimbet. Du coup, c'est à 10 niveaux, je peux le faire. Moi j'ai un problème de réseau en fait, c'est pour ça. Je pense que là j'ai eu un lag avec le dragon, hein. j'ai dû crash à moitié, je pense. Vous êtes toujours connecté ou pas vous? Ouais, je suis là. Ouais, ouais toujours. J'ai un problème de réseau donc je sais pas si. Est-ce que tu vois le network, c'est ça? Ouais, j'ai le network qui clignote. Non, mais t'inquiète, c'est. T'inquiète, c'est comme ça en fait sur le RP, PVP. T'as toujours cette message network, ça fait pas, t'as pas vraiment de différence. Ouais, en fait, ça veut juste dire qu'il y a. Oui, je sais pourquoi. C'est parce que le réseau est là depuis trop longtemps, en fait. C'est ça. En fait, j'ai juste une latence. Je suis pas coupé du serveur, mais j'ai une latence. Et je vois bien, d'ailleurs, j'ai une latence. Donc, ça met un peu de temps à réagir. C'est un ping. Il faut du métal. Voilà. Si vous avez vu, hein, ça met une demi-seconde. Le temps de thème pour le dragon, c'est lent. Il faudrait du métal aussi. J'espère que ça va pas faire ça trop longtemps, sinon je découvre au coup puis on va peut-être relever le serveur. On sait jamais que ça relance aussi les ennemis. Hein. Et le niveau que j'ai chopé, c'est un niveau 55, Falcon, là devant moi aussi. Il y a un niveau 55. T'as envie de pas ça va prendre beaucoup trop de temps, Falcon. C'est pour ça que je le fais pas. Mais il est devant moi, il est à pied, là, il dit rien. Hein, bah, c'est bon. Tiens, j'ai plus. Là, t'es en train d'enregistrer ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Ok, parce qu'en fait, tu disais redémarrer tout ça pour moi. Oui, non, mais on va le truc à faire. Au prochain épisode, je pense. Là, il te reste combien de temps pour nous reste? Parce que bah, si on a le temps, moi ce que j'ai. Attends, moi ce que j'aimerais bien déjà, c'est récupérer l'or. Parce que là, j'ai pas récupéré l'or. D'accord? Parce que le bah, dragon, il bouge pas, il est en plein il bouge pas. Hein. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ma mana! Je veux pas avec ça. En fait, dans le volcan, il y a aucun caillou, les mecs. Il y a rien. Il n'y a pas de caillou? Non. Bah, faudrait que. Enfin, je sais qu'il y a une montagne juste à côté de nous, qui a énormément de rochers, je suis pas sûr, mais qu'il y a des rochers en fait. Après, j'ai remarqué que c'est n'importe quel rocher en fait, tu peux avoir du fer, de l'iron, sur n'importe quel style de rocher. Je vais regarder si je peux le tame aussi, Falcon, aussi. Hein. Je vais regarder. Mais en fait, faut que t'ailles dans une mine en fait, le mieux c'est que t'ailles dans une mine, Tranchello. C'est Pacify pour tamer ça, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est Pacify. Ouais, Pacify. Il sait pas faire énormément de métal en même temps. Bon, hé, j'ai juste essayé comme pour le fun. Ok, comment c'est le temps qui reste? Bah, en fait, tu jauges en fait par rapport à la jauge en fait bleue qui charge. Ah, ouais, alors vous voyez la petite jauge qu'il y a, j'essaie de me rapprocher. En fait, il y a le cercle avec l'animal dedans. Et la petite barre bleue que vous voyez là, et bah, c'est le temps pour le timer. Donc là, déjà, moi j'ai fait un huitième. Tu me diras, ça va durer 5 minutes. J'ai fait un quart là. Bah, oui, mais ça va. Bah, ça va en fait. Pas long en mode 20 minutes, 30 minutes, c'est juste voilà, t'en as pour 5 minutes, moins de 5 minutes peut-être. Bah non, je suis déjà rendu au quart, regarde, j'ai même pas 8 minutes. Non, moi j'ai quand même un problème, c'est que comme ils attaquent pas. Ah tiens, en plus j'ai lâché, j'ai plus assez de mana, donc j'ai oublié de le refaire. Bon, je pense qu'on ira peut-être le time plus tard, mais qu'ils attaqueront, parce que là en fait c'est cheaté si on fait ça, je pense. C'est pas intéressant. Ça a aucun intérêt, s'ils bougent pas, alors, ils bougent pas, je le time là, les doigts dans le nez, c'est nul. Donc je pense qu'effectivement ce qu'on va faire c'est on le fera pendant un autre épisode. Moi j'ai pas trouvé d'or du coup.
On va peut-être le faire en vidéo du coup là, ou on ira ensemble à la prochaine vidéo, je pense. Bah ouais, en fait, je pense qu'on ira en fait à... Ouais, on ira dans une grotte, dans une caverne, on retourne dans le volcan pour pouvoir farm de XP et en même temps de l'or, parce qu'en fait les ressources se retrouvent dans des grottes. Et je peux tamer un soldat aussi, c'est normal ça? Ouais, tu peux taper tout, ouais. Vraiment tout. Tant qu'il est au-dessus, en fait, tant qu'il y a 10 minutes de différence, et si c'est au-dessus de ton niveau, tu peux tamer. Ouais, un orc, ça m'intéresse pas. Donc tu peux bon. Tamer géant. Ouais, mais après le géant, on peut pas monter dessus, je crois. C'est pour ça que c'est une blague aussi, ça. C'est un coup de serveur. Oula, je suis coincé là. Moi, je me suis coincé. Oh! C'est bon, je vais sortir avec le pouvoir de Superman. Bon, je me pose ici, et ce qu'on va faire, c'est nous, on va les fermer, je pense, hors vidéo. Ou là on reprend la prochaine vidéo, on verra bien. Bref, en tout cas on se laisse, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.